Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00 229 91 19. Bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans le bulletin d'information du 6 juillet 2023. La délibération des résultats de l'examen du BEPC, session de juin 2023, initialement prévue pour le 7 juillet, est finalement annoncée pour le samedi 8 juillet à 8h, suivie de la proclamation à 9h. Les candidats à l'examen du BEPC pourront ensuite consulter leurs résultats en ligne sur la plateforme e-résultats. Au palais de la Marina, un projet de loi sur l'urbanisme est transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote. La décision a été prise ce mercredi 5 juillet 2023 en Conseil des ministres. Suivez dans cet élément les objectifs visés par ce projet de loi. Le projet de loi transmis à l'Assemblée nationale selon le communiqué du gouvernement vise plusieurs objectifs. Il s'agit entre autres de favoriser la mise en œuvre des investissements du programme d'action du gouvernement en facilitant la mobilisation de réserves foncières et la réservation de grandes emprises pour les futurs investissements publics dans le cadre de la planification du développement urbain. Il s'agit en l'occurrence de faire le lien entre les impératifs opérationnels à court terme et la vision prospective de long terme pour la promotion des villes durables en cohérence avec les outils d'aménagement du territoire et les règles de l'art en matière d'urbanisme. Il s'agit également d'intégrer aux principes, règles et instruments de planification et d'aménagement urbain les outils de protection et de valorisation des zones sensibles, notamment celles du littoral, d'adaptation au changement climatique et de transmission énergétique, de prendre en compte le contexte de modernisation et de développement urbain accéléré à mettre en œuvre par les acteurs afin de pouvoir faire face aux gaps de logements et de services ainsi qu'à la croissance rapide des agglomérations urbaines. Et puis pour finir, de tenir compte du contexte de la décentralisation et faciliter le partenariat de l'État et des communes avec le secteur privé en vue d'attirer les investisseurs potentiel. Un drame s'est produit dans l'arrondissement de Soroko, commune de Banikwara. Une femme revendeuse d'essence frelatée a été tuée au cours d'un braquage dans la nuit du lundi 3 juillet 2023 par les malfrats. Voici les faits. Dans la nuit du lundi 3 juillet 2023, des malfrats se sont introduits dans le domicile d'un couple qui fait le commerce de l'essence de contrebande communément appelée Kpayo. Le mari ayant vu les hauts la loi a fui, abandonnant son épouse qui, d'après nos sources, avait les recettes issues de la vente de la journée. En voulant s'échapper aussi, elle a été abattue. Les malfrats, après leur forfait, emportent une moto neuve de marque Haoju et une somme de 200 000 francs CFA. La police, après le constat d'usage, a ouvert une enquête. Le corps de la victime est remis à la famille pour inhumation. Nous ouvrons à présent les nouvelles sportives de cette session informative. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, en visite dans la région septentrionale du Bénin, a confirmé la construction du stade international de Parakou. Je le cite, « Ceux qui suivent le dossier de près savent que nous avons reçu maintenant ce qu'on appelle les études. Nous avons sollicité un cabinet d'architectes italien qui est venu ici à Parakou et qui est allé sur le nouveau site. C'est un projet qui se fera à un moment ou à un autre, dans tous les cas. » Fin de citation, a rassuré Oswald Omeki. À l'entendre, la cité des Koburu représente une certaine valeur pour le Bénin, d'où la nécessité pour le gouvernement de passer à la concrétisation de ce rêve qui vise à doter la ville de Parakou d'un stade international. Nous sommes un gouvernement qui a dit qu'on ferait 22 stades. On a fait les 22, ils sont fonctionnels. Nous avons dit que nous voulons faire un stade moderne international
nationale à Parakou. Ça se fera, a réaffirmé le ministre Oswald Omeki. Une bonne nouvelle pour la population de Parakou qui pourrait aussi accueillir dans les années à venir des rencontres de l'équipe Fanion du Bénin et des autres sélections nationales du pays. À Lomé, capitale du Togo, 20 athlètes vont défendre les couleurs du pays lors des championnats ouest africains d'athlétisme qui se dérouleront du 7 au 8 juillet 2023. Cette compétition connaîtra également la participation de 14 autres pays de la sous-région. Ces athlètes, composés de 15 hommes et 5 femmes, ont d'ailleurs démarré ce dimanche 2 juillet 2023 un stage de préparation de 5 jours dans le but d'affûter leurs âmes. Et dans le cadre du premier tour des éliminatoires du tournoi olympique féminin Paris 2024, Zone Afrique, les Amazones olympiques du Bénin croiseront les crampons avec la Guinée-Bissau le 14 juillet 2023 au stade du 24 septembre à Bissau. Et le 18 juillet 2023, les Amazones joueront le match retour au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Kourounou. Contrairement aux hommes, chez les dames, les équipes engagées seront constituées des joueuses sans limite d'âge. Il ne s'agit pas des équipes exclusivement réservées aux moins de 23 ans. Ce tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques Paris 2024 va se disputer en 4 tours. Il faut signaler qu'à l'issue de ces 4 tours, seulement 2 nations africaines sur les 25 engagées dans ces éliminatoires vont représenter le continent. Il faut rappeler que les Guépas des moins de 23 ans du Bénin se sont eux aussi engagés dans les éliminatoires du tournoi olympique masculin Paris 2024, mais ils ont été rapidement éliminés. Toujours dans la page sport, la sélection nationale masculine des moins de 16 ans de handball participera à la 2e édition du tournoi international de handball de Nantes du 25 au 27 août prochain. Le groupe de 20 joueurs a désormais été réduit à 16 joueurs. Ces 16 joueurs ont été retenus à l'issue de 2 séances d'entraînement quotidiennes. Ces derniers seront mis au vert dans les jours à venir à Cotonou afin de poursuivre les séances de préparation. Il faut signaler qu'au départ, ils étaient 47 jeunes handballeurs qui proviennent des tests de détection effectués dans les 12 départements du Bénin et ceux retenus lors des derniers championnats nationaux de catégorie d'âge à Ouida. De 47, ils sont réduits à 26, puis à 20 et maintenant à 16 guépards U16 handball du Bénin. La majorité de ces 16 guépards viennent des classes sportives mises en place par le ministère des Sports. Ainsi prend fin le bulletin d'information du 6 juillet 2023. Mesdames et messieurs, dans un instant, on retrouve Charles Alban Daoui dans le forum de discussion. Comme annoncé, nous sommes à présent dans le forum de discussion du 6 juillet 2023 avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour, merci, faites comme vous. Pas de sanctions pour les stations reconnues en homme par l'Agence de normalisation et de la métrologie. Chose normale, Charles Alban Daoui? Absolument pas, pas chose normale. Vous savez, on a comme l'impression que cette agence-là cherche à se rattraper sur une situation quand même qui est assez évidente. Quand l'agence constate qu'il y a des stations qui vendent le carburant, eh bien, des quantités d'essence inférieures à ce qui est affiché sur les machines qui permettent de pomper l'essence, quand cette agence annonce cette nouvelle et que cette nouvelle-là se répand un peu dans l'opinion publique et qu'elle vient dire ça par la suite, il faut relever tout simplement qu'il y a quelque chose d'anormal, quelque chose qui ne va pas. Il est vrai que dans l'explication donnée par le directeur de cette agence-là, il est dit que oui, ce ne sont pas les propriétaires de ces stations, donc de ces machines-là, qui sont responsables de ce dysfonctionnement, que ce sont des machines qui, elles-mêmes, peut-être connaissent des dysfonctionnements. Mais la question qu'il faut se poser, c'est de savoir, mais si ces machines-là, sans que personne les touche, en viennent à connaître des dysfonctionnements, qu'est-ce que les propriétaires de ces stations-là font pour corriger ces dysfonctionnements-là? Imaginez un instant que vous ayez une station, vous ayez une entreprise et que du fait de ce dysfonctionnement de la machine, vous faites des pertes
à longueur de journée. Je ne suis pas sûr que eh bien, ces propriétaires de stations là vont rester et les bras croisés. Mais comme le dysfonctionnement apparemment eh bien, n'empiète pas sur leurs gains, sur leurs recettes, et apparemment quand ces dysfonctionnements-là ne leur causent pas des pertes au quotidien, ils ont laissé faire tout simplement. Il est vrai, on peut leur concéder le fait qu'ils n'aient pas truqué les machines. Mais si c'est des machines qui doivent subir des maintenances sur certaines périodes et que ces maintenances-là n'ont pas été faites et par défaut de maintenance, il y a eu ces dysfonctionnements-là, il faut rendre responsable tout simplement ces propriétaires de stations. Donc je pense que ce n'est pas une raison à fournir, à balancer dans l'opinion publique comme ça. On ne peut pas accepter cela parce que oui, ce sont des consommateurs qui se sont retrouvés donc grugés dans cette affaire-là. On ne sait même pas depuis combien de temps cela dure. Et quand l'agence qui est censée faire ce genre de contrôle au Bénin vient à tenir ce genre de propos-là, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que ce n'est pas vraiment responsable que ce genre de propos soit tenu. Parce que, comme je l'ai dit, si ces dysfonctionnements-là envers traîner des pertes pour les sociétés-là qui distribuent l'essence, le gasoil et autres-là, elles ne seraient pas restées les mains croisées. Elles auraient pris toutes les dispositions pour ramener ces machines-là à leur norme, ramener ces machines-là et dans l'état normal pour que eh bien, ils puissent continuer à faire des profits dans le commerce qu'ils font. Donc franchement, je pense que cette raison-là, on ne peut pas l'avaler comme on avale des couleuvres. Voilà. Et dans cette affaire de station en homme, les consommateurs ne disent rien. Oui, vous savez, c'est ce qui est dommage chez nous au Bénin et sous les tropiques souvent. Dans les services qui sont des services publics et qui sont rendus donc aux populations, quand ça ne va pas souvent, vous ne voyez pas les consommateurs se réunir pour revendiquer leurs droits. C'est-à-dire que dans notre pays ici, eh bien, le consommateur estime qu'il n'a pas le droit et donc du coup, celui qui lui vend un service peut lui vendre tout ce qu'il veut, peut faire des prestations de service qui ne lui conviennent pas, eh bien, il accepte. Donc on a cette culture-là d'acceptation de tout, même des choses anormales. Donc du coup, même les associations de consommateurs qui existent au Bénin ne sont pas très actives, notamment sur ces questions-là. Par le passé, il y avait un certain activisme, c'est vrai, mais par la suite, ça a disparu, nous ne savons pas pourquoi. Ces associations-là se plaignent souvent de ce que, oui, ceux qui se disent même consommateurs ne prennent pas conscience de ce que c'est eux-mêmes qui doivent s'impliquer eh bien, dans la défense de leurs intérêts, dans la défense de leurs droits. Quand une association est créée, on laisse seulement la charge au président et c'est lui et qui doit crier sur tous les toits, c'est normal qu'il se fatigue, c'est normal qu'il décide eh bien, de se retirer, puisque les personnes qu'il défend aussi ne sont pas conscientes de ce que, eh bien, ils vivent des situations anormales, des situations où on viole leurs droits, et donc qu'il faut qu'ils se mobilisent. Donc du coup, vous avez vu, c'est vrai qu'il y a eu des plaintes au sein de la population, mais il n'y a pas eu vraiment de plaintes constituées par des associations de consommateurs qui pourraient interpeller. Parce que oui, cette décision, ce qui est dit par l'Agence nationale de métrologie, s'il y avait une association de consommateurs digne du nom constitué, on peut porter plainte contre les stations, qu'ils viennent nous justifier ce qui s'est passé. Donc voilà un peu comment ça marche d'autres aussi. Mais malheureusement, chez nous ici, malheureusement ou heureusement, chacun passe, on attend, même quand ça ne va pas, on s'en fout. L'essentiel, c'est que, vous savez, si on peut trouver un peu de carburant au bord de la voie et continuer son chemin, c'est le plus important. Et donc, ce qui se passe là-bas, ceux qui ont appris ça et qui a trucage là-bas vont dire, je n'y vais plus, c'est tout. Et puis, ça passe tout simplement. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin du forum de discussion du 6 juillet 2023. Avant de mettre un terme à votre émission Tour d'horizon, chères femmes, comme le dit un ancien président, sorti avec un garçon mince peut être cool. Le seul problème est de vous coucher sur son torse et de remarquer que les marques de ses côtes vous ont dessiné les bandes d'Adidas. Sur ce, excellente journée à vous sur guerritatvmonde.bj.